prédateur mythique, longtemps craint dans toutes les mers du monde. Les orques font aujourd'hui l'objet d'une véritable fascination grâce au travail de nombreux scientifiques. Sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, des chercheurs étudient depuis des décennies ces mammifères marins au cerveau parmi les plus complexes du monde animal. Il y a vraiment une vie sociale au niveau du groupe. Chaque individu a son caractère, chaque individu a ses humeurs. Elle chasse un poisson. On dirait qu'elle s'entraide pour l'attraper. Tenter de déchiffrer leur langage est essentiel pour mieux les connaître et mieux les protéger. Il y a quelque chose de très émouvant dans leur vocalise. Aujourd'hui, le travail de ces chercheurs est d'autant plus nécessaire que les populations d'orques de cette région risquent de disparaître, cernées de menaces. Quand il y a beaucoup de bruit et une pénurie de nourriture, ces orques souffrent vraiment. Ces groupes d'orques sont parmi les seuls que l'on puisse approcher et étudier facilement, car les autres vivent dispersés dans les océans. Que peut-on apprendre de ces orques? Et comment les aider à survivre ?